LGR vessels, this is Spirit of Helsinki, Spirit of Helsinki, good evening, anybody on the frequency ever? Hello Spirit, this is Pendrix 6. Pendrix 6, good evening, nice to hear your voice, how are you doing ever? Le bilan de la semaine, mais bien le bilan de la semaine, non honnêtement bien. On est en tête de la flotte, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Cette étape c'est vraiment l'échauffement, donc l'idée c'est de pouvoir faire une belle descente dans des conditions de vent assez légères, ce qui pour nous est pas facile, on a quand même un gros bateau, il est très lourd du coup. L'idée c'est de bien faire pour pas perdre de points, pour aller sur les deuxième et troisième étapes. Là je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, j'espère en tout cas qu'on pourra vraiment appuyer quand les autres décéléreront, nous on va accélérer, j'espère. Maintenant ça c'est la théorie. Mais non, il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Il y a eu notamment une journée, on était tribord, on fait un tribord à Translate. On rejag, on est sur la même amure, et on arrive ensemble. Et là, il y a le championnat du monde de manœuvre. Je crois que la dose d'énergie à bord, elle était folle. Où, on part. Magnifique. Et ouais, ça a été top, ça a été super beau. Mais on avait les deux bateaux à quoi? On était à 100 mètres l'un de l'autre, à peu près. C'était génial. C'était une super belle journée. Pour l'instant, on a plutôt pas mal géré les choix de voiles. Le bateau est rapide. Et les voiles. On a eu très peu de temps pour les essayer, mais incident, ça fait un super boulot. Ouais, on va pas se plaindre. Hein. Un beau bateau, une belle équipe. Vous avez eu des conditions un peu chaudes? Un peu chaudes, pas encore, mais un début de conditions d'esprit, on va dire vite. Et qu'il y a beaucoup de pression sur les écoutes, qu'il y a beaucoup de pression sur tout le matériel. Et que c'est un bateau, comme je dis toujours, qui ne supporte pas l'amateurisme, donc il faut vraiment faire très attention. Notamment de nuit, avec les grains, où il faut énormément anticiper. Donc, ouais, c'est monté à 30 nœuds, c'est pas encore. Mais faut faire attention, quoi. Ah, de toute manière, il y aura cette partie-là, après on va descendre spatule dans l'axe jusqu'au Cap Vert. Puis après, il y aura un nouveau départ, encore un autre au poteau noir, hein, clairement. Sur la flotte, il y a une super ambiance, on se parle. Deux fois par jour, on a une vacation le matin à 7h et une vacation à 21h. Et il y a les Frenchies qui parlent ensemble à 19h. Et dans 2h20, une vacation avec Helsinki, Maiden et Translated. Et à voir où ils sont, parce que vraiment, je veux savoir. L'esprit d'équipe, je crois qu'ils ont fait une belle remontada. Neptune est aussi quelque part par là-bas. On a du monde derrière, quoi, faut pas maudire. No. Have a great watch. Good evening, and best wishes to all the crew, and good sailing tonight, tomorrow. Spirit of Helsinki out. Scandic 6 hours.